Le fromage affine sa réputation et pourrait bien devenir un produit noble. Avec plus de 25 kilos par personne et par an, les Français sont les deuxièmes consommateurs en Europe, derrière les Grecs. De nouveaux lieux et concepts pourraient changer nos habitudes et permettre de découvrir ces trésors de la gastronomie française sous un angle différent. Mounia Bria est restauratrice à Paris. Il y a 2 ans, elle a créé un club réservé aux femmes, fans de fromage. Un fromage, c'est sensuel. C'est en texture, en forme également. J'assimile énormément la femme au fromage. Le cercle officiel des filles à fromage est né suite à l'article d'un ami à moi qui est journaliste, qui s'appelle Olivier Malnuit, qui avait mis en avant en fait, le rapport glamour entre les femmes et le fromage. Un article illustré par une série de photos de Thomas Lainé qui a tout de suite marqué les esprits au-delà même de nos frontières. Cette exposition a voyagé, elle a voyagé à Tokyo, à Rio, elle est actuellement à New York. Aujourd'hui, le club de Mounia compte 3700 membres. Des anonymes, mais aussi des personnalités comme l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld, la comédienne Delphine Depardieu ou la présentatrice télé Maya Lokwe. 1 à 2 fois par an, elles se réunissent pour une soirée dégustation. Nous, on se prend pas du tout au sérieux, mais par contre, on prend les fromages au sérieux, on prend toute la filière fromagère au sérieux. On essaie de vous faire découvrir des raretés, comme le bleu de terre mignon. Le bleu de terre mignon, c'est un fromage de lait de vache, au lait cru, qui est fait par une productrice qui a que 25 vaches. Bien évidemment, si elle arrête de le produire, c'est un fromage qui risque de ne plus exister. Un fromage de Savoie qui fait partie de ces produits du terroir que Mounia cherche à mettre en valeur, grâce à de nouvelles ambassadrices, y compris dans le monde politique. La dernière que je sollicite particulièrement, c'est Anne Hidalgo, qui a eu la connaissance en fait, de notre cercle de filles à fromage et qui m'a promis d'y être adhérente, parce qu'en fait, je la sollicite pour le prochain événement. La maire de Paris pourrait peut-être accueillir dans quelques mois la prochaine soirée dégustation à l'Hôtel de Ville. D'autres initiatives permettent de découvrir le monde du fromage côté coulisses. Pierre Brisson organise depuis 1 an des ateliers découvertes en partenariat avec des crèmeries comme celle-ci, au cœur de Paris. C'est une maison donc, qui a la particularité d'affiner les fromages à Paris, donc sous la boutique, dans les caves historiques du Marais. Voilà, donc bienvenue dans la partie cachée de la boutique. Pierre n'est pas fromager, mais passionné par cet univers. Grâce à lui, ces amateurs vont découvrir les secrets de fabrication de leur fromage préféré. On a mis en œuvre une sorte de nouveau concept, c'est la version fromage des cours d'œnologie. Comme pour le vin, l'idée est de visiter la cave d'affinage. Donc on a, vous voyez, tout ce qui est pâte cuite, pâte non cuite. On a des fromages de saison, comme le fromage typique de saison, c'est donc le vacherin Mont-d'Or. Ils sont lavés tous les jours. Le fait de laver le fromage, ça favorise un développement d'une bactérie qu'on appelle les ferments du rouge, assez communément, qui provoque 2 choses, une odeur assez forte et le développement d'une couleur rouge-orange brique du fromage. Voilà. Des gestes et un savoir-faire qui disparaissent peu à peu à Paris. Aujourd'hui, seulement 8 affineurs subsistent dans la capitale. C'est assez rare, effectivement, d'avoir des vraies caves d'affinage à Paris. Souvent pour des raisons d'espace qu'on comprend bien quand on habite à Paris. Aussi parce qu'il y a des très bons professionnels qui travaillent autour de Paris, hein, notamment à Rungis. Pour les fromagers affineurs, ces ateliers sont des coups de projecteur sur un métier méconnu. Je pense que c'est pas assez mis en valeur par rapport à d'autres métiers comme la pâtisserie ou la boucherie où il y a la maturation de la viande pour les bouchers. Bah nous aussi, on a un travail, on a un savoir-faire qui est là. Et justement, ça permet de le montrer. Après la visite, vient la dégustation. Pour Pierre, fils de viticulteur, on apprécie le fromage de la même manière que le vin. Quand vous sentez que vous l'avez bien fait tourner, gardez la bouche fermée et respirez uniquement par le nez. En essayant de souffler tranquillement par le nez, de façon prolongée. C'est ce qu'on appelle en œnologie le rétro-nasal. Ça marche aussi en fromagerie, ça permet d'évaluer la qualité organoleptique du fromage. Si les accords vin-fromage sont traditionnels en France, d'autres osent de nouvelles associations. Eri Isada est japonaise. Elle est affineur et maître fromager. Jusqu'au 30 novembre, ses fromages sont à l'honneur dans le bar de cet hôtel près de la place Vendôme. Des fromages affinés avec une touche asiatique. Chèvre au wasabi, mozzarella avec feuilles de cerisier, ou chèvre au yuzu.
C'est comme les pâtisseries japonais. Et les pâtisseries japonais, beaucoup utilisent cette feuille. Et yuzu aussi. Si la famille Derry a converti les Japonais aux fromages européens de caractère, elle possède aussi depuis 2004 une des fromageries les plus en vue de Paris, grâce à ses affinages particuliers. Donc c'est un parmesan donc aussi évidemment d'Italie, qui a été macéré dans du whisky japonais, donc le Nikka, du 15 ans d'âge, qui est macéré un mois, hein. Ça, il y a rien. C'est ça. Un mois, voilà. Et pour mettre en valeur ces fromages, une autre spécialité japonaise, le saké. Le premier est trois fois fermenté, le deuxième vieilli avec de la liqueur de prune. Ça vient adoucir justement l'ensemble et ça crée une belle harmonie. C'est vrai que le vin apporterait peut-être plus de la puissance, parce qu'il y a plus de corps dans le vin, sur un Bordeaux, c'est beaucoup plus riche que le saké, c'est sûr. Mais là, c'est une autre expérience qu'on a voulu faire découvrir à nos clients. Des clients essentiellement américains qui apprécient cette nouvelle touche japonisante sur les fameux fromages français.